Ok, on est parti. Avec une main dégueulasse. Allez, c'est pas grave, on a quand même une carte 4 qu'on va devoir garder si on est sous purge. On a la guerre de Corée qu'on pourrait. Qu'est-ce qu'on a comme headline? Putain, on a que la CIA. Donc là, pardon, bonjour à tous. On se retrouve dans le cadre d'ITSL. J'affronte Roger et Ril. Et on va voir ce que ça donne. Ah, si je peux faire abdication en Roumanie en headline. CIA, c'est pas mal aussi. L'abdication en Roumanie, ça a pas trop de sens, c'est moi qui ai les indépendantistes rouges, mais dans tous les cas, il faudra quand même que je la joue. Sur CIA, je pense, hein. Je vois pas trop ce que je peux faire d'autre. Pas du tout dit que ça revienne dans sa main, hein, la CIA. Je vais prendre tous les ops que je peux prendre avec la faible main que j'ai. Ok. Ah, je peux faire un coup d'état au Vietnam. Il a le blocus. Ok. Il a que des grosses cartes. Faire un coup d'état, ça va. Si, il a le blocus comme coup d'état. Wow, il me donne la carte Chine, il rigole pas, hein. Il a fait 1. Bah, tant mieux, j'ai envie de dire.
pas grand chose à se mettre sous la dent. En Roumanie, je vais pas en faire grand chose. Il faudra que je. Est-ce que je suis obligé de la jouer? Oui, parce qu'il va me mettre le blocus. Elle pourrait jouer le blocus. Ah, dommage, j'aurais mis 3 points en Thaïlande, j'étais safe. La lucha armada es el único camino para la liberación. Lo que puedo responder es que, por lo menos en las condiciones de nuestro país, no había otro camino. Are made in the belief that men and nations can cooperate and that there are no international problems which men of goodwill cannot solve or adjust. L'espace, dommage. URS containment. Voilà. Écoutez, fait 14 ans, c'est très bien. Et il a gardé des blocus et qu'est-ce qu'il a gardé? Plan Marshall. Ok. Le Pakistan avec la carte Chine, ça me permettra de garder la décolonisation. Ah, ça fait des points de victoire gagnés, ça. Ah,
Oh. Panama, non, Égypte. En Algérie. Que je vais envoyer Fidèle dans l'espace, j'ai besoin d'aller dans l'espace dans tous les cas. Le problème c'est que Fidèle il est un peu gratuit. Je vais peut-être envoyer les gouvernances sociales. J'ai déjà la décolonisation comme main, comme carte à problème pour le coup d'après. Ok, je vais retarder ma course à l'espace, j'ai pas d'urgence. Faire le pacte de Varsovie. Que je vais aller. J'ai pas trop besoin d'aller en Europe.
Ok, c'est moi qui ai la guerre indo-pakistanaise, ça c'est cool. Donc il a eu l'Europe. On n'a pas grand-chose à mettre en headline. Par la guerre indo-pakistanaise. Ça fera des points. Une purge. Il a eu Suez, il a eu De Gaulle. Une grosse main. Non, il a quand même une faible, une main un peu moins. Mais il a eu toutes les cartes. Ah non, j'en ai eu deux. Ouais. Très bien, il l'utilise pas pour l'événement. Mais le problème, c'est que je peux pas envoyer la décolonisation dans l'espace. Heureusement, il a une carte morte avec le décompte en Asie. A l'air de vouloir se battre. Ouf, ça c'est de la chance ça. J'espère qu'il a pas eu le plan quinquennal, ça serait moche quand même. Fait la même au Venezuela. C'était assez moche pour lui. Oh, un point seulement. Il a l'Europe également. Quelque part, il faudrait que je tente de la réaligner. Hein. Bon, ça va, il m'agresse pas trop, c'est gentil. Il est gentil avec moi.
Pas trop eu le choix, hein. Pas mal quand même pour un tour sous blocus, sous purge, je veux dire. Et en plus, oh là là. Les trappes, hein. Je vais pouvoir utiliser le chip pour un coup. Eh ben, un autre 6. Non, même pas. Ça, c'est abusé. Ça va, Cuba, je l'ai défoncé. GOAS. Ok. Encore une carte 4.
Non mais j'ai une carte 4 moi. Si je pouvais garder à War Island pour le tour d'après, ce serait pas mal. Qu'est-ce que je fais avec ça? Faut le rugby, y a pas le choix. Ah putain. Casse-couille. Oh, mais sérieux! Ah, c'est pas possible ça. J'ai raté 3 jets d'affilée. Ça fait plaisir. Ok. Ma pupette. Et on a Voice of America. On a beaucoup de choses, hein. Voice, ça l'empêche un peu de faire un coup d'état quand même. C'est quand même pas mal, il y a beaucoup de pays vides.
pour aller au Brésil. Je pense qu'il va mettre un point en Thaïlande et faire un coup d'état. Non. Il fait d'abord le coup d'état. Ok. D'événements rouges désagréables qui sont passés. Hein. Qu'est-ce qu'il a comme carte 4? Gagner l'Angola, on a quand même gagné l'Afrique, ça c'est pas dégueu. Faut que je fasse un coup d'état sur l'Uruguay. Encore? Eh ben, ça en fait des cartes 4 tout ça, hein. Alors.
around the world. God willing, that goal will be achieved. Je sais pas si c'était bien joué d'aller en Allemagne. Mais il y a Truman qui papa. Ah ouais, c'est il y a Truman. Tu peux jouer sur Truman. Pas mal de mauvaises cartes. Truman, Nasser, Sadat. Ou souris. Et dans la défausse, Alliance for Progress. Je pense pas qu'il va surprotéger. Non, l'intervention des Nations Unies, elle est pas dans la défausse. Ok. On va quand même garder l'Argentine. Au moins essayer. Ça je fais mon coup d'état. Oh mais sérieux, c'est incroyable. Qu'est-ce que tu veux faire avec que des 1 et des 2 en GT? Ah lui il a toutes les cartes 4. Wow, elle fait 5 ou 6, non? Faut que je casse l'Allemagne. Ah. Socialiste dans la défausse, ouais. Allez, dis-moi que j'ai Truman. Yes, Truman.
pu traiter ABM là, hein. Ouais. Il y a encore des scorings, il va avoir des scorings peut-être. Ça va affaiblir un peu sa main, parce que toutes les cartes qu'il a eues. On va prendre Moyen-Orient. On va prendre l'Afrique. J'aurais peut-être dû mettre 2 points en Allemagne. Tellement riche ce gars. Pas les mêmes cartes ni les mêmes jets de dés, hein. Mais lol. Mais lol, n'importe quoi. Putain! Ça m'énerve. Ça me saoule quoi, cette chance qu'il peut avoir.
chier, quoi. Un coup d'état. Ah, ça m'énerve. Ouais, c'est 2 points de victoire le break, mais pas grand chose hein, par rapport à tout ce qu'il a. Jouer que des cartes 3, 4 et tout. Je sais pas trop pourquoi il surprotège quand même là-bas. Je vais mettre la carte Chine en Argentine, tant pis, hein. Enfin, je sais pas. Ça fait que 2 points de victoire, c'est pas beaucoup. Oh là là, mais sérieux. Je réaligne en Afrique. Pour le réchauffe, on prend l'Asie tout de suite. Ok. Ça c'est marrant, je l'ai récupéré, vous souris.
Qu'est-ce qui n'a pas, qu'est-ce qui a pas été joué? NTB, il a été joué ou pas? Ouais, il a joué le coup d'avant. Il y a Mao qui a pas été joué. Il y a les scoring. Il a le Moyen-Orient. Non, c'est il a l'Amérique centrale, je veux dire. J'ai encore une main de merde. Pas de grosse carte. Ah, il y a Sadat qui a pas été joué, tiens. Il n'a pas mieux que 3. C'est intéressant. Faut faire un 6, lol. Ceci dit, si je fais ça. Peut faire un coup d'état en Angola, ça lui ferait 3 pays. Il a une carte à 2. Et si je fais pas le coup d'état? Enfin, si je fais le coup d'état, il aura une carte à 2, il pourra pas prendre et l'Angola et l'Algérie. Là, je lui laisse le coup d'état. Ouais, c'est pas mal ce que j'ai nucléaire subs. Il peut rater son coup d'état et après je peux revenir avec Nuclear Subs. Sauf s'il fait un 6, hein. Non, il fait qu'un 2. Il a pas mieux que 3. Ça c'est bien.
Plus le temps passe et plus j'ai des chances de me choper l'Amérique centrale avec Green Sails. Ok, faut que je prenne deux pays en Europe. Oh. Ok, je vais essayer de gagner au DEFCON. J'ai à peu près plus que ça. Mais ça va être très compliqué. Les points là, c'est mort. Ok. Libération dans l'espace et Middle East pour l'event. Mort 5. Tellement de bons jets de dés. Putain, je gratte tous les points que je peux gratter, même avec ça, je finis qu'à 7 points de victoire. Ah cool, il joue pas l'événement. Our goal is not the victory of might, but the vindication of right. Not peace at the expense of freedom, but both peace and freedom here in this hemisphere. And we hope around the world, God willing, that goal will be achieved. Okay. Oh, fait chier, quoi.
Direct. Vas-y, casse les couilles. Всех вас, дорогие товарищи, пусть он укрепит нас в стремлении сделать все ради возрождения Родины и идти вперед по пути социалистического обновления. Хай-я-хай-ру. Jamais tu rates tes coups d'état. Pas grand chose à faire à part reprendre la Libye. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Il a sa date, il va devoir me rendre l'Égypte. C'est incroyable. J'ai juste rien à faire quoi, c'est pénible. J'aurais pu faire 6 par exemple, mais non. Que dalle. Ah, ça date, enfin. Façon, on va tout jouer, ça je pourrais pas le garder pour plus tard. Tellement les couilles, toute la chance qu'il a eue.
C'est dans la défausse, hein, la guerre de Corée. Non, si, elle est là. Ça, j'y ai pas le droit. Et ben, et en plus il m'a fait défausser une carte, donc je peux même pas profiter de North Sea Oil. Oh là là là, je viens juste de m'en rendre compte. It does such violence to the spirit, thwarting the human impulse to create, to enjoy, to worship. En vrai, je m'en fous, hein, vas-y. Vas-y, mais qu'est-ce qu'il est lent. Ça me saoule. Argentine, ça sert à rien parce qu'il doit avoir la dame de fer. Oh, j'ai des gros tours, hein. J'ai jamais compris pourquoi la dame de fer elle... Ah. Oh, c'est gentil ça. Petite purge, mais d'abord Junta. Purge, ce sera pour le tour d'après. Ah, d'abord Junta, c'est vite dit si j'ai envie de profiter de. Enfin, une main à peu près décente. Ouais, je vais quand même l'empêcher de faire un coup d'état. Totalitarian world produces backwardness because it does such violence to the spirit, thwarting the human impulse to create, to worship. Ah.
Anama, ça fait plus de points sûrement, mais ça a déjà été scoré alors. Ouais. Pour changer. J'ai pas activé Jean-Paul en plus. Ah, j'ai Special Relationship qui fait quelques points de victoire. Ah, la guerre indo-pakistanaise, elle me fait perdre des 2 points de victoire, fait chier ça. Ah ouais. Non mais sérieux quoi. 6-1. Est-ce que je perds une carte 3 pour gagner une carte 4? Ça, j'aimerais bien l'envoyer dans l'espace, ouais, donc je vais faire ça. Afghanistan, et Taïwan, il est pas passé. Je peux prendre Taïwan. Je peux carrément prendre Taïwan, moi. Est-ce que j'ai besoin de jouer une carte 4? J'ai besoin de faire un coup d'état, ça c'est sûr. Ah, ça fait plaisir.
Ok. Il reste trois coups à jouer, un dans l'espace. C'est n'importe quoi cette game. Wow. C'est bon ça. Attends, on va avoir réussi à annuler l'Europe, eh. Truc de ouf. Si j'ai Tchernobyl, peut-être moyen hein, de faire quelque chose. Tchernobyl, tear down this wall. Solidarity, allez, on balance tout en Europe. Sachant que j'ai le NORAD qui va s'activer au dernier, j'espère qu'enfin il va s'activer. Star Wars qui se déclenche même pas. Parce qu'il y a quand même Voice of America dans la défausse. Mais pff, 13 points de retard. C'est juste une blague cette partie. Il a encore eu des grosses cartes, hein. Oh, mais lol. Avec Tear Down This Wall, on peut encore tenter des jets de réalignement. Un peu chanceux. Ça renversera pas la game. Hein. Il a peut-être eu Taïwan, hein. S'il pouvait avoir que des cartes à 1, ça serait pas mal. C'est pas vraiment une carte à 1. Si je
pouvais réussir ma course à l'espace et pas lui, ce serait fort aussi. Ah, il visait le contrôle de l'Afrique évidemment. Mais j'ai traité ABM ça, pas mal aussi. Ça va me faire des petits points à mettre en Europe. Il va pas pouvoir faire de coup d'état. Ah oui, c'est pour ça qu'il voulait mettre. Ouais, s'il fait quand même un coup d'état. L'Afrique, je m'en fous un peu. De toute façon, j'ai perdu au point. С праздником всех вас, дорогие товарищи. Пусть он укрепит нас в стремлении сделать все ради возрождения родины и идти вперед по пути социалистического обновления. Okay, pas toi pour ça. Ça me va très bien. Est-ce que je jouerai pas la carte Chine maintenant? Si. Comme ça, si jamais il a Taïwan, je l'annule pas. Ça, c'est mérité, ça. Pershing, j'ai pas très envie, mais de toute façon, c'est pas grave. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'ai pas besoin de plus. Putain, je réaligne que à plus 1, à plus 0. C'est ouf ça. De toute façon, j'ai pas le choix. Wow. Mais non.
c'est abusé. C'est tellement abusé. Ah, ça me fait plaisir. Ok. Alors... Bon, j'ai pas besoin de ça pour contrôler l'Europe. Ça marche bien hein, à la fin, ça. C'est juste abusé. Si c'est 4-10, hein. Avec un peu plus de chance, on n'était pas si mal. Oh lol. Ok. Alors, il nous faut 17 points d'avance. Donc, on est à 10, 17, donc il faudrait qu'il fasse 0, ou il faut que je fasse 11 avec l'Amérique centrale. Si je... Dommage qu'il ait surprotégé le Panama, sinon... Sinon c'était pas mal, hein. Si je fais un 6... Ça suffit pas. Là, je peux casser la Pologne pour un point de plus. Allez. Ouais, bah il y a des fois, hein. On n'a pas de chance. Hein. Putain. Et si je faisais plus, j'ai fait combien sur le dé là? 3. Putain, il fallait faire 5 ou 6. Ça me rajoutait. Ça m'a rajouté 5 points. Putain, c'est ouf. J'avais la carte Chine à contrer en plus.
sans le décompte en Amérique du Sud, j'étais bon, hein. Oh la vache. Avec des sciences et très pareil. Franchement, français pour l'Europe, c'était pas mal. Hein. J'ai réussi à bien la retourner là en un tour. C'est lui qui m'a donné Jean-Paul, ouais. Putain, si j'avais eu Tchernobyl. Oh la vache. Si j'avais fait, j'étais tellement de choses que j'aurais pu avoir. Hein. Ce jet de réalignement là, 6-1, il m'en a fait 2 dans 1, 6-2. N'importe quoi, il m'en a fait 2 des comme ça dans la partie là. C'était bien vu hein, de jouer la carte Chine avant qu'il joue Taïwan. Il a mal joué lui, hein. Vraiment. Fallait jouer Taïwan à la place de Cambridge 5, il m'a donné plein de points de victoire. Je vais le prendre de la hausse. Là, il reprenait l'Allemagne au lieu de la Pologne. Ça faisait un point de moins. Là, je lui ai enlevé 2 points de victoire quand même. Présence et Battle Grand. Je pense que je pouvais pas faire beaucoup mieux. Bon. Ben, ça fait une série de pas mal de matchs perdus là d'affilée, ça commence à être pesant d'avoir des parties avec un gros retard sur le dé, sur les dés et sur les cartes. Il y a eu trop de cartes 4. J'en ai eu une, il en a eu une. J'en ai eu une, il en a pas eu. Bon là la purge elle m'a défoncé, surtout avec le blocus qui a chopé derrière. Là, boum. Ouais, j'en ai quand même eu une. Là il a encore eu des cartes 4. On obs le 2 d'avance, 0, 3 d'avance. 2 d'avance, 6 d'avance. Là encore une fois. Ouais, peut-être que si j'avais pas pris le Mexique et directement l'Allemagne, j'aurais pas eu besoin de bataille. Mais lui aussi, hein, il a dû en mettre des points, tout ça pour au final être derrière. Ouais, je sais pas si mon point au Mexique était mieux en Allemagne. Amérique du Sud aussi sur les jets de réalignement, il a eu beaucoup de chance. C'est moi qui ai initié la bataille. Je rate juste derrière et réussis haut la main. Là sur Zahir, n'importe quoi. Du gros n'importe quoi. Il a quand même eu 3 brochoirs. 2 ou 3. Là il en a eu un, là il l'a eu. Moi j'ai eu traité ABM à la fin. Est-ce que je l'avais eu avant? Moi j'ai quand même eu quelques cartes 4.
c'est qui a vu le traité ABM? Ah, c'est lui. Tour 4 direct, boum. En plus, j'avais fait un super piège là qu'il avait pas vu venir avec Usuri. Où est-ce que je l'ai mis? Non, ouais, ici là. U2, Paris sur Truman. Et là, ouais, c'est dommage, mon Will Burn You qui me rapporte rien quoi. Il l'a retourné avec le brochoir. Ouais, il a quand même pas trop mal joué. Je me suis bien défendu aussi, hein. Je fallait pas que ça dure plus longtemps. Là, je revenais fort. Hein. Au final, tous les décomptes sont sortis. Au niveau des décomptes, on était comment? 1 pour lui, 2 pour lui, 3 pour lui. 3-1, 3-2. 4-4. 5-4, 5-5, 6-5, juste un plus pour lui. Je me suis pas trompé. Donc au final c'est équilibré. Et il a esquivé l'Europe avec Ferrivirplan. Non mais ça, cette combinaison, chance de ouf quoi. Blocus joué, blocus pioché avec la purge. C'était bien joué de la jouer cette combinaison, et c'est bon coup de chance. Hein. Et je pouvais rien y faire, j'avais pas de carte 4. Si, j'aurais dû la garder. Déjà que j'étais pas en avance niveau ops, j'avais eu que des 1 et des 2. C'est chaud quand même. Et en plus j'étais obligé de la jouer parce qu'il a joué des stalinisations en France. Ouais, ouais. Et vu mes ops... Ouais, j'aurais pu peut-être la garder, mettre que 2 points avec partir sur une guerre d'ops. Vu que Truman n'était pas passé, il se serait peut-être pas engagé. Ouais, peut-être qu'il faudra que je fasse ça la prochaine fois. Je crois que j'y pense. Bon, j'espère qu'il fera le reporting. Et ben, merci d'avoir suivi la partie. Et je vous dis à bientôt.